sunny today. 26 on the beach, up to 30 in the Hi, this is John Schofield, and you're listening to Jazz Inspiration, Coast to Coast. km entre le Pacifique et l'extrémité est de la côte atlantique, une superficie grande comme 18 fois la France, peuplée de deux fois moins d'habitants, le Canada, 10 provinces et 3 territoires, c'est avant tout le gigantisme du deuxième plus grand pays du monde. 6 fuseaux horaires, quand il est midi à Vancouver, il est 16h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Terre-Neuve-Labrador, une seule province, séparée en deux parties par le détroit de Belle-Île. Terre-Neuve, la pointe est du continent américain. C'est la première terre du Nouveau Monde à avoir été touchée par les conquérants européens. Une région sauvage, totalement orientée vers une mer rude et omniprésente. Ce sont les Vikings qui les premiers prirent pied à Terre-Neuve et au Labrador. C'était il y a 1000 ans. Il faudra attendre le 15e siècle pour que les pêcheurs anglais et français se lancent à la découverte de cette terre aride, habitée seulement par une faune exceptionnelle. Aujourd'hui, plusieurs réserves écologiques et l'immense parc national du Gros Morne protègent cette faune, tout en permettant au public de la découvrir. On imagine que les Vikings se sont sentis en terrain familier lorsqu'ils s'aventurèrent dans les fjords de la Scandinave qui composent avec les côtes extrêmement découpées les plus spectaculaires paysages de la province. De mai à septembre, des milliers de baleines se retrouvent au large des côtes. On ne les chasse plus. Il y a longtemps que les chasseurs de baleines se sont reconvertis à d'autres activités. 95% de la population de la province habite l'île de Terre-Neuve, répartie dans de petits villages côtiers de 100 à 200 habitants. C'est la mer, la pêche qui a toujours nourri les habitants de Terre-Neuve, et principalement la pêche à la morue. Mais aujourd'hui, les bancs de morue se font moins nombreux. Et dans les hameaux de la côte, qui ont pour nom Harbour Breton, Port au Basque ou encore Port au Choix, bien des pêcheurs ignorent de quoi demain sera fait. C'est la route transcanadienne qui mène à la capitale, St. John's, la plus ancienne ville d'Amérique du Nord. Un Labrador peut en cacher un autre. Mais la fierté n'est pas une question de taille dans cette petite ville de 102 000 habitants, ravagée par un terrible incendie en 1892 et qui a néanmoins réussi à marier harmonieusement ses influences anglaises, irlandaises et américaines. La péninsule sur laquelle se trouve St. John's a une particularité qui a déterminé son histoire. C'est la terre la plus à l'est de l'Amérique. Ici, on est plus près de Brest que de Vancouver. Cape Spear, c'est d'ici, de Signal Hill, que Marconi réussit en 1901 la première émission radio entre le Nouveau Monde et l'Europe. Trait d'union entre deux continents, c'est peut-être là le meilleur atout pour l'avenir de Terre-Neuve. L'île du Prince-Édouard, la plus petite des provinces canadiennes, l'une des trois provinces que l'on appelle, avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, province maritime. L'île du Prince-Édouard étend sur 180 km un tapis de campagnes verdoyantes qui ne peuvent faire oublier que l'île a toujours été un paradis pour pêcheurs individuels, en rivière ou en mer. Le thon rouge de l'Atlantique et le homard constituent un véritable pactole pour l'île, et c'est une des raisons pour lesquelles sont toujours vivaces certaines traditions acadiennes, comme la cérémonie annuelle de la bénédiction de la flotte. Oui,
Les Français s'établirent ici bien avant que le Canada n'existe et l'influence de leurs coutumes est imbriquée profondément dans les traditions locales. Mais l'histoire de l'île se veut intimement liée à celle du Canada. C'est dans cet immeuble géorgien, à Charlottetown, la capitale, que se réunirent en 1864 les pères fondateurs de la Confédération canadienne. Respectueux du passé, les habitants de l'île se devaient aussi de perpétuer une longue tradition agricole, car sur cette terre bénie des dieux, comme disaient les immigrants, les récoltes ont toujours été diversifiées et abondantes. Un autre don des dieux, les immenses plages de sable fin, particulièrement attrayantes sur le littoral nord qui borde le parc national de l'île du Prince-Édouard. À quelques kilomètres, par-delà le détroit de Northumberland, la province qui servit de tête de pont aux Anglais pour conquérir le Canada, la Nouvelle-Écosse. De Clark's Harbour, la pointe sud de la province, à l'île du Cap-Breton, au nord, une palette complète de paysages côtiers dresse une synthèse parfaite de ce que sont les relations entre terre et mer, côté Atlantique. 7400 km de côte, jalonnés de villages de pêcheurs que les colons ont dénommés Glasgow, Campbell, Inverness. Capitale, Halifax, 330 000 habitants, la plus grande ville des provinces maritimes. Importante base navale anglaise jusqu'à la dernière guerre, le port a gardé son cachet britannique. Les immeubles de pierre de Water Street remontent au début du 19e siècle. Halifax était alors un repère de corsaires et aucun pont ne la reliait encore à Dartmouth, sa ville jumelle, située de l'autre côté de ce qui est un des plus grands ports naturels du monde. 24 000 km de route sillonnent la Nouvelle-Écosse. Certains itinéraires sont thématiques. Exemple, c'est l'histoire de l'Acadie que l'on remonte en suivant la piste de la petite héroïne Évangeline. Et aujourd'hui, on a une église, un musée, qui, avec une exposition à l'intérieur qui représente l'histoire du peuple acadien. Un peuple pris en tenaille entre les deux grandes puissances qui, au 18e siècle, se disputaient le nord-est de l'Amérique et que les Anglais, vainqueurs, déportèrent sans pitié dans leurs différentes colonies. Pour couronner ce destin tragique, les terres acadiennes furent bien entendu confisquées, car l'agriculture a toujours été ici florissante, comme en témoigne la vaste plaine côtière que baignent les eaux de la baie de Fundy. Né de la partition de la Nouvelle-Écosse en 1784, le Nouveau-Brunswick a été créé par des loyalistes anglais débarqués ici pour reprendre leur liberté par rapport au gouvernement des marchands d'Halifax. L'histoire de la province est, elle aussi, liée à celle des Acadiens. En effet, les francophones déportés lors du Grand Dérangement en 1755 revinrent en grand nombre dans la région. Ils y exerçaient une influence considérable lorsqu'en 1867, le Nouveau-Brunswick décida de s'associer aux destinées du Canada. Hormis la capitale, Fredericton, le Nouveau-Brunswick compte deux villes d'importance, Moncton et St. John, des villes imprégnées de l'histoire et du charme de la Nouvelle-Angleterre, mais qui se veulent aussi résolument modernes. Dans la région côtière de Fundy, là où les marées comptent parmi les plus fortes du monde, s'alignent de petits ports de pêche dont l'activité reste essentielle à la vie économique de la province. Au large, trois îles verdoyantes, Campobello, où Franklin Roosevelt disposait d'une résidence d'été, Deer et Grand Manan. Parfois repoussées par la puissance des marées, les eaux du fleuve Saint-Jean permettent de découvrir de l'intérieur un pays riche de l'influence des peuples qui l'ont marqué, Acadiens,
québécois, indiens, américains, anglais et irlandais. Au Nouveau-Brunswick, 37% de la population est restée francophone. Rien d'étonnant dès lors dans la diversité du folklore et du souvenir acadien qui font du Nouveau-Brunswick la province la plus proche, sentimentalement, du Québec. Le Québec, une superficie grande comme trois fois la France, peuplée de 6 500 000 habitants seulement, concentrée pour la plupart dans le sud-est de la province, la vallée du fleuve Saint-Laurent. 14, Montréal. Le 2 octobre 1535, le Français Jacques Cartier, en remontant le Saint-Laurent, débarquait sur une île qui abritait un village d'Indiens Iroquois, Hochelaga. Dotée d'un emplacement remarquable d'un point de vue économique et stratégique, l'île qui devint Montréal se développa d'une manière spectaculaire à partir du début du 18e siècle et son histoire est étroitement liée à celle du Canada. Autour de la place Jacques-Cartier, le cœur historique de Montréal, remarquablement préservé, est devenu l'un des principaux pôles d'intérêt touristique d'une ville soucieuse de conserver le souvenir de ses racines. La France, des siècles passés, comme la colonisation anglaise, ont laissé partout des traces indélébiles qui se retrouvent notamment dans la diversité de l'architecture. Près de l'Université du Québec, la rue Saint-Denis est le cœur d'un quartier où règne la décontraction, la fantaisie, la joie de vivre et tout ce qui distingue la personnalité du peuple québécois et du Québec du reste du Canada. L'attachement profond à la francophonie. En parcourant la rue Sainte-Catherine, on prend mieux encore la mesure des influences et des contrastes qui donnent son caractère à Montréal. Le modernisme à l'américaine y côtoie l'ambiance populaire des grands boulevards parisiens. Le dynamisme des commerces et l'efficacité des infrastructures témoignent également du rôle primordial que Montréal a toujours occupé dans l'économie du Québec et du Canada. Le métro et un important réseau de galeries souterraines reliant immeubles de bureaux et centres commerciaux contribuent à la vitalité de la ville en lui permettant de fonctionner même lorsque l'hiver est rigoureux. Mais c'est au cœur de l'été que le bonheur de vivre déferle réellement sur Montréal. C'est l'époque des festivals, dont certains connaissent une renommée mondiale. Le rire, le cinéma, la gastronomie, le jazz. Et aussi, les feux d'artifice. Malgré le formidable développement de sa rivale, Toronto, Montréal est toujours l'une des 20 premières places financières et industrielles du monde. C'est ce qui explique, pour une grande part, le modernisme architectural du centre-ville conçu à l'américaine, avec le souci du respect de l'environnement et de l'esthétisme. Parmi les prouesses architecturales de ces dernières années, les installations olympiques, créées à l'occasion des Jeux de 1976 et dont le gigantesque stade au toit, conçu pour être amovible, est devenu une importante attraction touristique. Montréal a toujours su freiner ses penchants pour la démesure à l'américaine et reste avant tout, malgré l'influence naturelle du géant voisin, une ville à dimension humaine. L'été, Terre des Hommes, le site de l'exposition universelle de 1967, devient un vaste parc d'attractions, dont certaines sont bien rafraîchissantes. Oui. Il fait souvent très chaud l'été à Montréal. Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par la descente des rapides de Lachine ?
Cela s'appelle le saute-mouton. Direction Québec. À 250 km au nord-est de Montréal, toujours protégée par les épais remparts du 18e siècle, la capitale politique de la belle province a su conserver à la fois son cachet de ville européenne, sa touche française et tous ces détails qui lui donnent sa forte personnalité. Témoin du glorieux passé de la ville-forteresse, le château Frontenac domine toujours, du haut de la terrasse Dufresne, le fleuve qui fait de Québec un véritable port de mer, et la ville basse qui fut le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. C'est ici, en effet, en 1608, que Samuel de Champlain construisit sa première habitation et son premier magasin de traite. Dans le vieux Québec, le visiteur européen, et surtout français, ne peut s'empêcher d'éprouver une impression de profonde complicité, tandis que l'Américain est enchanté de découvrir l'Europe de ses rêves sans avoir à franchir l'Atlantique. Dès la sortie de Québec, en descendant le Saint-Laurent, les chutes Montmorency annoncent que la nature réserve bien des surprises à ceux qui résument la province à une étendue de forêts et de lacs. Dans le golfe du Saint-Laurent, une douzaine d'îles formées de gris rouge et gris, recouvertes de campagnes verdoyantes, les îles de la Madeleine. En certains endroits s'étirent de longues plages de sable constituées par la dislocation des falaises et des rochers sous l'effet de l'érosion de la mer et du vent. À l'extrême pointe de la Gaspésie, un rocher solitaire de 86 mètres de haut avance dans la mer, son étonnante silhouette perforée, le rocher percé. À quelques encablures, l'île Bonaventure est une réserve naturelle, refuge de dizaines de milliers de fous de bassin et autres espèces protégées. Les côtes du parc national Forillon sont, elles, un lieu privilégié pour faire connaissance avec les phoques qui viennent y passer l'été. Les berges du Saint-Laurent sont un lieu idéal pour s'initier aux fabuleuses ressources de la mer. Tadoussac. À l'endroit où le Saguenay débouche sur le Saint-Laurent, un petit port de pêche a décidé de diversifier ses activités avec une aventure qui a le vent en poupe, l'observation des baleines. Le début, ça commence vers la mi-juin, disons juillet, août, sont des très bons mois. On peut apercevoir dans les eaux du Saint-Laurent, avec beaucoup de patience, 10 espèces de baleines différentes, dont la grande baleine bleue. Présentement, c'est du roccal commun, du petit roccal, c'est une autre espèce, puis un peu de beluga aussi. Avec ses eaux salées, la rivière Saguenay constitue le plus long fjord du monde. Il est bordé par le parc national du Saguenay.
En remontant le principal affluent du Saint-Laurent, au-delà du Cap Trinité dominé par une gigantesque statue de la Vierge, on pénètre une longue vallée qui a toujours été un peu en marge de toute influence et que Jacques Cartier avait appelé « Royaume du Saguenay ». Au fond du fjord, Chicoutimi est le point de départ idéal pour une visite de la région. Plus à l'ouest, la petite ville d'Alma est, elle, le point de départ naturel pour découvrir toutes les possibilités de loisirs offertes par la véritable mer intérieure qu'est le lac Saint-Jean, 1000 km². Les Amérindiens appelaient les cours d'eau les chemins qui marchent. Aujourd'hui, au Saguenay-Lac Saint-Jean, on devrait plutôt dire les chemins qui courent. À deux pas du lac Saint-Jean, le parc zoologique de Saint-Félicien permet aux visiteurs d'observer de nombreux spécimens de la faune canadienne, ou plutôt à la faune canadienne d'observer les mœurs des touristes en cage. La faune a toujours été, avec la forêt et l'eau, une des principales richesses naturelles du Québec. Afin de maintenir un équilibre écologique tout en donnant satisfaction aux adeptes de la chasse et de la pêche, le gouvernement québécois a créé de nombreux parcs nationaux ou provinciaux, des réserves naturelles et aussi le système des pourvoiries. Créé en 1894 autour d'un clubhouse qui accueillit les présidents Roosevelt et Truman, la seigneurie du Triton est une pourvoirie qui s'efforce d'initier le public à l'environnement dans lequel il se trouve. Averti ou profane, le visiteur trouvera ici la possibilité d'être en prise directe avec la nature au rythme qu'il choisit. Observation, chasse, pêche ou simple détente, par son immensité, le territoire de la pourvoirie est avant tout synonyme de liberté. Créées au départ à l'intention des chasseurs et des pêcheurs, les pourvoiries ont désormais aussi une vocation de centre de loisirs, des loisirs orientés vers la nature. Comme activité première ou majeure, si on veut, c'est évidemment la pêche. Donc la pêche, c'est la pêche à l'omble de fontaine que les Québécois adorent comme qualité de pêche et comme goût aussi, comme poisson, parce que c'est un poisson sauvage qui est excellent et qui donne beaucoup de travail au niveau là, de sa qualité, soit à la mouche, soit au lancer léger ou des choses comme ça. L'autre 50% de clientèle vient vraiment ici pour se détendre, mais tout est nature. C'est pas un resort où on a le tennis, le mini-golf ou des choses, ou la piscine. Tout est nature. Donc, autant il y a une équipe de guides pour accompagner à la pêche, autant il y a une équipe de guides animateurs, animatrices qui vont être ici pour amener les gens en interprétation de nature. Les pourvoiries contribuent à mettre à la portée de tous le patrimoine naturel québécois. D'autres établissements contribuent, eux, à la sauvegarde des traditions. Au sommet du Mont Rigaud, à 45 minutes de Montréal, une véritable cabane à sucre avec tout son environnement du début du siècle est mise à la portée du visiteur. Pierre Fauché, le maître des lieux, commence toujours la visite par l'explication, démonstration à l'appui, du processus de fabrication du sirop d'érable. La sucrerie de montagne vous accueille ici dans cette magnifique forêt d'érable qui vous offre le reflet des débuts des 1900 dans les camps de bûcherons du Québec. Vous allez manger sur nos tables en bois, nos bancs de bois, des rideaux tissés à la main, des cuisinières de feu de bois. Et puis sur les tables, tout le menu servi style familial à volonté. Vous allez chanter, manger puis danser. Alors bienvenue chez nous. Thank you.
Au Québec, les saisons font partie intégrante du patrimoine naturel et culturel. Nul ne peut prétendre connaître la province sans avoir vu septembre allumer les érables et le blanc du silence prendre possession des Laurentides. Gilles Vigneault disait « Mon pays, c'est l'hiver ». Alors attention, l'hiver au Québec, ça vit. Au sud-ouest du foyer francophone québécois, la province pivot du Canada, l'Ontario. Face à la ville québécoise de Hull, le long de la rivière des Outaouais, Ottawa, la capitale du Canada. Siège des institutions fédérales, Ottawa est aussi le lieu de résidence du gouverneur général, représentant de la reine, comme au temps où le Canada était britannique. Aujourd'hui, la reine est toujours reine et Ottawa a conservé son allure britannique. Grâce à un énorme effort d'urbanisme, elle est devenue une vraie vitrine pour la Confédération canadienne. En remontant le Saint-Laurent, qui borde la frontière est de l'Ontario, on pénètre le cœur historique de la province et du Canada. Près de la petite ville de Morrisburg, Upper Canada Village est un musée vivant. Un village de pionniers reconstitué aux normes du 19e siècle avec ses fermes, ses maisons et ses habitants. Kingston a été fondée en 1673. Elle est une des villes les plus anciennes du Canada. Successivement française, puis britannique, elle fut la première capitale du pays. L'histoire de Kingston est étroitement liée au Saint-Laurent, car c'est là que le lac Ontario donne naissance au grand fleuve. Un fleuve parsemé d'îles, sur lesquelles certains amateurs de tranquillité se sont fait construire des demeures à la mesure de leurs fantasmes. Délirantes, ou plus raisonnables, ces constructions personnalisent chacune des îles. Celles-ci sont tellement nombreuses que l'on a décidé d'appeler cette partie du fleuve les Mille Îles. Symbolisée par une des plus hautes tours du monde, la réussite de Toronto remonte à la fin des années 1960, lorsque le centre de gravité de l'économie canadienne commença à glisser de Montréal vers la capitale de l'Ontario, plus proche du marché américain. Aujourd'hui, le centre des affaires de Toronto ressemble à s'y méprendre à un centre de mégalopole américaine. Beaucoup de problèmes en moins et un art de vivre en plus. Les urbanistes ont fait preuve ici d'imagination. Afin d'affranchir les habitants de toute contrainte climatique, on a creusé ici une ville sous la ville, un véritable Toronto bis avec rues, commerces et lieux de loisirs, le plus grand complexe souterrain existant. Sens des affaires et de l'efficacité ne signifie pas monotonie ou uniformité. À l'ouest de la ville, un quartier rappelle un peu le village new-yorkais, avec sa fantaisie, sa décontraction et surtout sa dimension humaine. Pour conforter sa stature de très grande ville à l'échelle internationale, Toronto s'est doté d'outils culturels importants. Un des plus spectaculaires, le Centre des sciences de l'Ontario. Ici, il faut toucher à tout, et ça décoiffe. Au sud de Toronto,
Le lac Ontario est la limite naturelle d'une région avant tout agricole. Une spécialité locale, la vigne. Autre surprise, une merveille de la nature, les chutes du Niagara. Avec 12 millions de visiteurs l'an, les chutes représentent un des principaux atouts de l'industrie touristique canadienne. Creusées par la rivière Niagara qui sépare l'Ontario des États-Unis, les chutes fascinent par leur beauté, les folles aventures des casse-cou qui les ont défiées et surtout par leur démesure. Niagara fut le théâtre de tous les drames et de tous les exploits. Mais aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de prendre de risques pour se trouver au cœur même du spectacle. Les Nord-Américains rêvent de passer leur lune de miel sous l'emprise du pouvoir de séduction des chutes. Pour les inciter à prolonger leur séjour, Niagara est devenu une énorme foire aux loisirs. Mais les hôtels, de plus en plus grands, et les attractions, de plus en plus populaires, n'ont pas encore pu s'emparer de la magie des chutes. Ce n'est pas de la magie. Nous sommes toujours en Amérique du Nord, à l'aube du 21e siècle, 1807. Des pionniers d'origine allemande achètent aux Indiens Iroquois un sixième de leur territoire au sud de l'Ontario et s'y installent. Un détail, ces pionniers sont mennonites. Les mennonites, les adeptes de l'anabaptisme, une religion qui depuis le 18e siècle exige des vœux de simplicité et le renoncement aux nouveautés technologiques. Ici, la terre est fertile et rend prospères les familles qui la cultivent. Le dimanche, au marché, les Mennonites montrent leur remarquable intégration dans l'économie de la région et leurs buggies, ou leurs voitures noires pour ceux qui ont fait quelques concessions au progrès, se concentrent vers les lieux de culte. L'ouest de l'Ontario est une contrée immense, couverte de forêts épaisses dont l'Orignal est le roi. Une infinité de cours d'eau et de lacs constitue sur ces territoires la plus riche réserve de faune aquatique du Canada. Dans cette partie de l'Ontario où la distance est démesure, richesse naturelle signifie aussi richesse du sous-sol et des gisements minéraux parmi les plus importants du monde. Le cuivre et le nickel ont marqué le destin de villes comme Sudbury, non loin de la région côtière des Grands Lacs. Mais le long du lac supérieur, c'est le transit des céréales provenant des prairies via les immenses silos à grains de Thunder Bay qui dynamisent la région. Quitter l'Ontario par l'ouest signifie quitter la forêt pour pénétrer une vaste plaine uniforme de 1700 km étalée sur trois provinces, les prairies, le grenier à blé du Canada. Province la plus orientale, le Manitoba, le centre longitudinal du Canada. Capitale, Winnipeg. Une ville à l'américaine, dont la santé économique se reflète dans le modernisme des immeubles du centre des affaires, riche aussi des cultures apportées par les différentes ethnies qui l'ont bâtie. Face à l'ancienne basilique, la tombe de Louis Riel, que l'on surnommait le champion des droits de l'Ouest canadien, rappelle l'importance historique de la communauté francophone de la ville. Ce sont les quartiers ethniques,
comme le quartier français de Saint-Boniface avec l'ancien couvent des Sœurs Grises qui donne son véritable caractère à Winnipeg. C'est en hommage à toutes les communautés qui ont développé le Manitoba que la ville organise chaque année un énorme festival, le Folklorama. À l'ouest de Winnipeg commencent réellement les prairies, une immensité agricole qui s'étend sur trois provinces et nourrit le Canada. Au cœur des prairies, une agréable cité-jardin baptisée Regina, en l'honneur de la reine Victoria, la capitale de la Saskatchewan. Regina est fière d'abriter le centre de formation de la gendarmerie royale canadienne, la fameuse police montée dont l'histoire est étroitement liée à celle du Canada. Aujourd'hui, bien que les règles de ce corps d'élite se soient quelque peu assouplies, en plus d'une tâche de relations publiques non négligeable, son rôle reste très important. Actuellement, la police montée fait tout le travail policier au Canada, surtout dans les provinces de l'Ouest et dans les provinces de l'Est, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, et puis Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard. Le travail est provincial, municipal et fédéral. Une fois franchi la frontière de l'Alberta, on comprend vite ce qui vaut à cette province le surnom de Texas du Nord. Les matières premières, comme le pétrole et le gaz naturel, ont transformé en quelques décennies des petits villages en villes champignons. C'est Calgary qui a connu la croissance la plus spectaculaire, passant de 200 000 habitants à la fin des années 50 à plus de 650 000 aujourd'hui. Calgary s'est fait mondialement connaître par l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1988. Elle était déjà connue pour la beauté et l'originalité de son architecture. Et si elle dispose d'un stade en forme de selle de cheval, ce n'est pas un hasard. Chaque été, Calgary est aussi la capitale mondiale du rodéo. À 300 km au nord de Calgary, Edmonton, la capitale de l'Alberta. Siège des institutions provinciales, Edmonton présente l'aspect d'une ville futuriste remarquablement intégrée dans un décor de jardins et de parcs. Dès la sortie d'Edmonton, en direction des montagnes rocheuses, le monotone paysage des prairies fait place à une nature beaucoup plus imaginative. Jasper, à l'origine un poste de traite qui fonctionnait pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest. Aujourd'hui, Jasper est une superbe petite station dont le développement est dû à l'importante gare sur la ligne transcontinentale du Canadien National.
Jasper représente, pour des visiteurs de plus en plus nombreux, une base idéale pour se lancer à la découverte des beautés et de toutes les ressources des Rocheuses. Paradis des sportifs, les montagnes rocheuses, coiffées de glaciers et de neiges éternelles, offrent également aux visiteurs plus pointilleux sur le confort la possibilité d'effectuer en toute saison des balades aux allures de grande aventure. À 300 km de Jasper, par la route qui traverse les plus beaux parcs nationaux du Canada, une petite agglomération le long de la rivière Bow, Banff. Le développement de Banff remonte au siècle dernier, lorsqu'on découvrit sur le flanc des montagnes des sources sulfureuses. La proximité de Calgary fit le reste, et Banff est aujourd'hui un des plus hauts lieux du tourisme de l'Ouest canadien. Station thermale, elle est aussi et surtout station de ski, une des bases idéales pour s'adonner à l'une des spécialités des Rocheuses, l'héliski. Du versant ouest des Rocheuses à la côte pacifique s'étale une province vaste comme la France et la Grande-Bretagne réunies, la Colombie-Britannique. Le sud-est de la province est composé d'une succession de montagnes et de vallées dont les beautés naturelles, remarquablement préservées, représentent un décor idéal pour les amateurs de contact avec une nature à l'état pur. Au sortir des derniers contreforts montagneux, un climat doux et humide favorise la fertilité du sol et c'est une plaine verdoyante qui mène à la grande métropole de la côte ouest, Vancouver. Un site exceptionnel, une réussite économique évidente, un merveilleux mariage entre l'architecture et l'océan. Vancouver, avant tout, séduit. West Coast weekend weather, hot and sunny today. 26 on the beach, up to 30 in the inland areas. Right now in Vancouver, it's 22 degrees as our summertime weekend continues. Un mode de vie mi-européen, mi-californien complète le tableau d'une ville qui attire les immigrants depuis 1887, l'année de l'arrivée du chemin de fer sur la côte ouest.
Une grande confiance dans le futur, associée à un profond respect pour les valeurs du passé, contribue à doter Vancouver d'une richesse non seulement économique, mais aussi culturelle. Il y a longtemps qu'on sait à Vancouver, et pour cause, que l'avenir c'est le Pacifique, l'Asie. Chinatown, la plus importante communauté chinoise en Amérique du Nord après celle de San Francisco. L'influence de la communauté chinoise s'est encore accrue à la fin des années 80, lorsque les financiers de Hong Kong se sont mis à la recherche de nouveaux lieux propices aux investissements. Signe de cette orientation vers l'Asie, pour se détendre à Vancouver, on peut se balader dans un jardin à la chinoise aussi bien qu'à Stanley Park, de tradition beaucoup plus canadienne. Au large de Vancouver, à 3 heures de ferry, l'île de Vancouver étale sur 500 km de long une nature généreuse qui lui a donné notamment d'importantes ressources forestières. Une autre ressource naturelle, l'art floral, est lui aussi devenu ici une véritable industrie. Les Butchart Gardens, qui exposent sur une dizaine d'hectares des jardins à l'italienne, à la japonaise, à l'anglaise, à la française, sont une des merveilles du Canada. Et dans la région, Butchart Gardens a fait des émules. Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, la grande ville de l'île de Vancouver. Une petite capitale que les Américains apprécient pour son calme, son raffinement et son atmosphère européenne. En fait, Victoria est plus britannique que nature. La ville la plus british du Canada. Mais en tant que capitale, elle se doit aussi d'être le reflet des différentes cultures qui font la personnalité de la province. Du nord-est de la Colombie-Britannique à l'est du Manitoba, une région immense où le paysage uniforme des prairies mute pour devenir progressivement plus accidenté, plus sauvage. En certains endroits, les parois rocheuses surgissent brutalement de la plaine. On atteint les contreforts de ce que l'on appelle le bouclier canadien. Le bouclier canadien. Un gigantesque enchevêtrement de cours d'eau, de lacs, de collines, de forêts, de marécages et de quelques-unes des plus vieilles roches de la Terre qui s'étend du Labrador au territoire du Nord-Ouest, en passant notamment par le nord du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Le nord de ces provinces constitue une des plus vastes réserves naturelles du globe. Au Canada, lorsqu'on se dirige vers le nord, peu à peu, les forêts s'estompent, les moyens de locomotion doivent s'adapter. La faune et la flore deviennent celles de la toundra. Cette année-là, le plus grand territoire du Canada a été divisé en deux. À l'est, le Nunavut,
territoire administré par les Inuits, avec comme capitale Iqaluit, et les territoires du Nord-Ouest, capitale Yellowknife. Ensemble, ces deux territoires qui s'étendent bien au-delà du cercle arctique représentent le tiers de la superficie du Canada. Population, 67 000 habitants, ou encore 0,022 habitants au kilomètre carré. Sur la rive nord du Grand Lac des Esclaves, Yellowknife compte à elle seule 17 000 habitants. Principal centre d'intérêt de Yellowknife, un musée présente l'histoire du Grand Nord, sa faune et ses habitants. C'est en 1993 que les Esquimaux canadiens, qui préfèrent la dénomination d'Inuit, ont conclu avec Ottawa un accord qui finira par conduire à l'existence du nouveau territoire du Nunavut. En langue inuite, Nunavut signifie « notre terre ». Ici, il faut savoir composer avec l'environnement, comme l'ont toujours fait les autochtones. La situation géographique veut qu'en été, les journées durent 20 heures et qu'en hiver, les températures descendent fréquemment jusqu'à moins 60 degrés centigrades. Ici, c'est le paradis des amateurs de pêche et de chasse, et des amoureux de faune, de flore et de liberté. En langue indienne, Yukon signifie la grande rivière. C'est un territoire sauvage et retiré aux frontières de la civilisation. Le fleuve Yukon s'étire à travers une région que la rigueur du climat a longtemps gardée isolée, ce qui permet de trouver encore, en des lieux comme le parc national de Kluan, une nature à l'état pur. Le long du fleuve, Whitehorse, la capitale du Yukon. En 1942, Whitehorse ne comptait encore que quelques centaines d'habitants. Elle en compte aujourd'hui plus de 20 000. Deux événements majeurs ont marqué l'histoire de Whitehorse. Le Gold Rush, la grande ruée vers l'or du Klondike de la fin du siècle dernier, et la création de l'Alaska Highway, la grande route qui mène au cœur de l'Alaska. L'histoire de Dawson City, l'ancienne capitale, est elle entièrement liée à celle de la ruée vers l'or. En 1898, 100 000 hommes et femmes venus des quatre coins du monde surmontaient les pires difficultés pour se lancer à la conquête du nouvel Eldorado. À l'époque, Dawson City était la ville la plus animée, la plus gaie, la plus folle à l'ouest de Winnipeg. Jack London et d'autres célébrités y ont associé leur nom. Aujourd'hui, si les chercheurs d'or ne l'ont pas tout à fait abandonnée, elle vit surtout des vestiges de son glorieux passé. Et le soir, cabarets et salles de jeu font revivre l'époque où les mots mythiques, or, Klondike, Yukon, faisaient déjà partie d'un autre mythe, la grande aventure du Canada.